Tu veux faire le truc avec nous? Bah oui. Mais j'ai pas de tenue pour toi. Attends, Nadim. Je t'en donne une. Si tu veux monter le meuble avec nous, t'es obligé de la mettre. Ouais, sinon tu peux pas. Bah je la mets quand même. Tu promets? Oui. Ok. J'aime pas. T'es beau comme ça, t'es beau. Nadine. Wesh les frérots, c'est tonton démolection. On est ici aujourd'hui les frérots pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo quoi, Rémi, s'il te plaît, dis-le moi. On va construire quoi? Aujourd'hui les frérots, dans cette vidéo, on va monter le nouveau décor de tonton démolection. Là les gars, ça y est, il est temps de changer. Vous vous rappelez du petit décor que j'avais là les frérots? Du coup on va enlever tout ça. On va mettre un énorme meuble qui va du coup venir en mode escalier ici, t'as capté? Petit escalier. Là-bas on va mettre un petit pouf, je sais pas si vous le voyez les refs. Hop là-bas au fond. On a aussi un petit tapis les refs qu'on va installer. On a aussi plein de consoles qu'on va devoir installer. Bref, on va faire une journée construction. Zboub le bricoleur. Tu connais Zboub le bricoleur ou quoi? Non, je connais pas. Tu connais pas Zboub le bricoleur? Bah si, mais pas Zboub. Il est con lui hein. Mais il est drôle, très drôle. Mais Zboub il existe pas en fait, c'est toi. Oh, en plus ça a trop. Mais tu fais quoi frère? Bah des pompes. Oh il tremble. Tu connais ça? Il est partout. C'est parti, est-ce que je peux compter sur vous? Ouais. Non Nadim, je t'ai pas dit de faire le Power Rangers. Est-ce que je peux compter sur vous? Allez l'équipe, on se met au travail. Vas-y, décale la plante. Ok, déjà comment on l'ouvre? Attends. Déjà pour commencer, faut qu'on enlève tout ça là. Oh non. Vas-y frère, faut qu'on enlève. Ok. On peut pas le monter. Moi, ça, dis sans... oui. Moi je dis oui. Oh les épées. S'il y a un truc qui tombe, Nadim tu prends une claque. Ah c'est comme ça? C'est écrit quoi tu? Rachid en titan. Rachid en titan. Oh Nadim! Mais quoi j'ai rien fait? Oh Nadim! Je le retire le katana en dessous. Ça c'est un vrai frère. Non. Tiens attends viens. Okay. Le premier qui saigne, il perd. Wow. Mais c'est un vrai? Non. Mais c'est un faux. Ah oui c'est un faux frère, t'es un malade toi. Je crois que c'était un vrai moi. Mais non. Ah mais c'est un faux. Oh, arrête frère. Mais Nadine, pourquoi t'enlèves tout? On va enlever tout. Bah non, au pire regarde, on soulève juste en fait. Ah. Vas-y Rémi. Allez d'accord. Ok on soulève pas. Non mais c'est pour ça que je tiens par là en fait. Là le problème c'est que toi t'es vraiment ce bouble bricoleur. Celle-là. Magnifique. Voilà, et là, nouvelle vidéo dans un nouveau décor mon pote. Ouais. Ça faut qu'on le décale. Ça va, je vais l'enlever ça. T'as des outils ou c'est déjà donné avec? Non, c'est donné déjà avec. Je sais pas frère. Mais non, c'est donné avec. Nadim, va chercher des outils. Ça c'est dangereux ça. C'est super dangereux, faut que tu tiens. Ça je peux pas moi. Ah si frère, faut que tu décales avec moi, sinon je sais pas. Ok, et là je vais essayer de bouger la vitrine. Qui l'a acheté ici? Le tome collector d'Attaque des Titans. Tiens. Il est rare lui. Mais frère, tu m'as ramené deux tournevis, une fourchette. Je t'ai dit des outils. Ok, c'est bon, on a libéré la place. Nadim, tu vas passer l'aspirateur, mec. Oh. Lève-toi. Allume l'élispateur. On dirait pas qu'il danse avec quelqu'un, là. Regarde, sors. Caca. Je crois qu'il y a le caca du chien qui a été aspiré dedans ou je sais pas quoi. Ou le chien qui a dû pisser dessus, le Nadim. On passe à l'ouverture du meuble, on part le plus gros. En fait, en gros, on construit le meuble et on a fini, frère. Déjà, première étape, on ouvre. Déjà, on n'arrive pas à l'ouvrir. La notice, Nadim, s'il te plaît. Tu vas nous lire la notice, ok? Le premier truc, ouais. Ça, tu mets comme ça. Premier truc comme ça. Après. Okay. Après, faut que tu mets encore une là et un grand là. Ok. Un grand là. Désolé, je me suis trompé. Ici, il faut c'est mettre pas grave. Un grand là. Je pense que tu peux commencer à mettre une figurine. Eh hey, c'est pas mal. C'est un bon début. Pour l'instant. Hop, Rémi, première étape. Parfois. Première étape, Rémi. Alors, Rémi. Première étape, frère. Doucement, attends, tu es là, tu vas aller vite, frère. Ouais, première étape. Première étape, ouais. Donc, les refs, première étape. Il faut qu'on vise tout ça ici. C'est parti. Étape par étape. Ouais. Pas celle-là. Sur celle-là, tu vas mettre un là. Je crois que c'est ça. Je vous ai donné deux.
Non, il y a tourbillon. Et ouais, je l'ai déjà perdu. Mais attends, on trouve pas quelle vis. Attends, c'est quelle vis, frère? Première vis mise pour moi. Mec, tu m'applaudis pas? Bah là, non, là c'est pas encore fait. Mais si, c'est bon là. Elle bouge encore. Mais non, on peut pas mettre plus. Ok, parfait. Et pour lui, c'est encore très loin. Le mien, il est fini. C'est laquelle? Nous, on est des cocoricots en laine ensemble. C'est qui veut que je ramène tous les outils de papa? Personne. Ok. Les refs, étape 1, fini, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi, Rémi? Celle-là. On fait quoi? Tu prends le bout de bois et tu le mets dans le bout de bois. Très bonne explication, ça. En gros... Nadim, viens, on a besoin de toi, mec. On est bien, là, on est bien, ça avance bien. Mais après, ça là, tu mets des gros coups, là. Oh! Wesh, il y a de la crotte de nez sur ton nez. T'as touché une clou, là. Tiens. Mais c'est une vraie? Ouais, c'est une vraie crotte de nez. Avec un foutu marteau. Excellent, Nadim. Viens voir, Nadim, attends, on teste. Là. Non, viens voir ton genou. Vas-y, bah tu peux mettre les autres, Rémi, c'est bon. Prends ton tournevis. Prends le tournevis là, celui-là. Oui. Ouais. Vas-y. Regarde dessus, il y a quoi. Ah, vas-y. Ok, étape numéro 3, les frérots. On doit faire. Je sais pas trop c'est quoi, mais on va le faire. Attends, est-ce qu'il y a un petit livre pour moi là, pour Julie? Moi je suis en train de lire un manga. C'est un manga ça? Bah c'est Naruto Sensei, ouais. Regarde comment je suis posée. Oh, c'est bon, on a vu, frère, tu nous as dit 800 mois comment t'es posée. Mais regarde, ils sont. Ouais, mais c'est bon, frère, t'es trop bien posé, ça y est. Ok, Rémi, on avance bien, check. Merci Nadim de ton aide, hein. Donc les frérots, étape numéro 4. Voilà, ça va être. En fait, c'est comme l'étape 3, sauf que c'est l'étape 4. Avec donc une planche en plus. C'est parti, mec. Tu peux y aller après, Rémi. Tu peux les mettre, tu vois. Un psychopathe, je te regarde comme ça. Ah ouais, genre en mode tu peux aussi faire. Frère, tu veux rentrer dans le bois? Des mots? Non, mais tu prends. Des mots, je suis en train de lire. Ah oui, suis ça, s'il te plaît. Des mots, je suis en train de lire, mais je parle pas, je lis dans ma tête. Eh bah, ferme-la. Ah, je rigole, mais c'est bien, Nadim, c'est bien, Nico. On a encore la place, tu sais qu'est-ce qu'on va faire ici? Quoi? On va mettre des livres pour lire. Mais tu crois que c'est une bibliothèque ici, toi? Plutôt de vous regarder, je veux jouer à Rocket League suite. Nadim, viens me tenir ça. Voilà, Nadim. Arrête, frère. Mais gros, c'est pas lourd. Sinon, Rémi, toi, tu peux tenir, tu sais. Étape 5, les refs, on y arrive. L'étape 5, donc c'est pareil que l'étape 3 et l'étape 4, tout simplement. Du coup, on va refaire encore une fois. Pareil les frérots. Allez, on continue l'escalier. On y arrive, Rémi. Allez. Oh, la fin, on sera fiers de nous, mec. T'as aussi moi. Non, toi, t'as rien foutu, toi. Bah ouais. Je suis fier de vous, les gars. C'est vrai? Ouais. Merci, mec. Mais là, on a encore rien fait. Dans la... Oh. Sur la 3, on a ça. Est-ce que t'as des trous, là, au niveau de la 3? Oui, t'en as. Ouais, et là aussi. Okay. Dans la 3, il y en a qui viennent. Donc... Oh, j'ai pris une écharpe, mon pote. Oh, oh, oh. Ça rigole pas, Rémi. Si tu te la prends, tu vas faire. Nadim, j'ai besoin d'un docteur. Ah, il y a eu des mecs. Mais non. Ça se moque des écharpes. Je l'ai enlevé. Attends, celle-là, Nadim, tu l'avais mal enfoncé. Oh, je l'ai enlevé. Personne. Bien joué, Demo. Merci, Nadim. Hop. Et hop, et boum, c'est bon? C'est bon maintenant ou pas? Démo, je t'avais dit, elle va ici. Mais parle pas, toi! Bien, on avance bien, mec! Eh, Démo, avant, ça ressemble à rien, à que dalle! Et là, maintenant? Moi! Il y a un énorme souci. Qu'est-ce que c'est, le souci? Ça rentre pas dans le truc. Bah, c'est normal, ça va pas. En fait, y a rien à mettre. Vas-y, Rémi, vas-y. 3, 4, et on est trop chaud, Rémi! On est des boss! Et c'est pas grâce à Nadine, moi, je te le dis, hein! C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Mais voilà. C'est là, mais Rémi, mais c'est quoi? Tu comprends pas, frère, cette vis là, elle n'est pas dans la construction. Elle n'est pas dedans. C'est une vis qui n'est pas dedans, frère. C'est une vis, les refs. Elle ne fait absolument pas partie de la construction. Ça fait 3 fois qu'il essaie de la mettre dedans. Frère, ça fait trop mal. Celle-là, vous devez faire ici. Voilà, t'as vu? Les 50-21. Tu fais ton rêve, ça. J'ai mis une musique. Mais ouais, frère, mais l'autre, il a mis une musique. T'as cru qu'on était au chantier, là? L'autre, il a mis une musique, genre en mode. On était au taf. On a fait un meuble, gros, il manque 3 pièces. Le truc, il est pas en face. Jamais je monte un meuble avec vous. Et
Viens, 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 tous les jours, Rémi et des connexions humaines et des attends, il faut monter. Attends. Imagine là, on le casse, frère. Allez, 1, 2. Oh là là. Let's go. Oh là 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 là. Une vie sur deux, c'est bon, ça tient. C'est bon, c'est carré, frère. Les refs, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On a installé le meuble. On a mis combien de temps? 2 heures. Il manque des vis. Bref. Maintenant, on va passer à la décoration. Rémi. T'as un peu la décoration dans l'âme, je le sens. On continue, mec. Moi, j'aurais vu ça comme ça. Celui de Luffy, c'est le boss, c'est normal. Ensuite, évidemment, nous avons son frère, Ace. En dessous, évidemment, le boss des boss, Trafalgar Law. Et ensuite, Chopper. Parce qu'il est stylé, c'est tout. Ouais. Après, on peut continuer avec un petit Izuku. Derrière, on peut mettre les petits Dr. Stone. D'ailleurs, faut que je rachète ceux qui manquent. Là, il y en a 13. Bah, c'est le méchant dans My Hero Academia. Deuxième étage, on a la place pour mettre plus de figurines. On peut en mettre, je pense, 1, 2, 3. Ça. Mais ça, le problème, c'est que c'est encore du My Hero Academia. On peut mettre la collection de One Piece ici. Mais dis-moi, c'est stylé ou pas? Bah, moi, non. Bah, comment ça, non? Non. Dis la vérité. Non. C'est pas beau? Non. Oh non, les épées, je vais les mettre où? Tu peux le mettre en haut. Mais du coup, on enlève Chopper qui pue. Bah heureusement je t'ai donné ouais, ça. Ouais, je suis obligé de faire ça, frère. Ouais. Les épées, les gars, on est obligé de les garder dans le décor, les épées. Je peux pas les enlever. Oh là 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 là. Non, c'est stylé, hein. Ici, ça va être le compartiment One Piece, ok. Là, on a Bon Hancock. Donc là, on a le petit Trafalgar, les gars. Vous savez que c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Mon chouchou. La petite décoration Pokémon. C'est stylé, on va les mettre là. Les refs, ce Death Note là, l'achetez jamais. La nouvelle version, elle pue sa mère. J'étais dégoûté. Je pense qu'on est pas mal, les frérots. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Si on rajoute là, ça va faire trop. Là, on est pas mal du tout, hein. Oh, ça va faire énerver les refs. Oh, ça va être lourd. Ok, attends, je me suis excité pour un arbre là, on est d'accord. Vas-y, aide-moi, aide-moi. Attends. Wesh. Oh, 1, 2. Tu sais que j'aime trop les tapis. Ça sent bon. Bon, les frérots, je pense qu'on a fini la petite installation. Ça a l'air assez carré. Je vais mettre tous les branchements, tout ce qui est fil, tout ça. Et puis, je vais vous faire un petit rendu avec les petits néons. Ça va être encore plus sexy, Rémi. Ouais. Let's go. Ça y est, c'est terminé mes frérots. C'est terminé. Donc voilà, là vous avez vu le gros du gros. Ça va être le gros du gros, il va y avoir encore quelques petites décorations. J'aimerais bien racheter, les gars, encore un petit pouf. Il va y avoir aussi une petite table qui va arriver. Il va y avoir aussi un petit coin ici. Ça va être un petit coin geek un peu avec toutes mes consoles, tout ce qui est rétro gaming. Donc voilà, là vous allez vraiment voir le gros. Donc ça me fait plaisir les refs, on évolue quand même sur la chaîne. Donc ça me fait super plaisir. On a mis à peu près, Nadim, 3 heures. On a mis à peu près 3 heures à tout monter. Mais au moins c'est monté. Ça change même pour moi en fait d'être dans un autre environnement. Ça me donne encore plus envie de refaire des vidéos. Les refs, je vous dis merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Prenez soin de vous les refs. A très très vite pour une prochaine vidéo. C'était votre tonton Démolection. Ciao.